Même si elles sont très résistantes, les cibles en styromousse à cellules denses, surtout celles qui sont destinées au tir avec pointe de chasse, finissent par voir leur noyau central passablement abîmé. Comme ces cibles-là sont passablement coûteuses et précieuses, j'ai cherché un bon moyen facile de prolonger leur vie utile. Même si on varie les phases de tir de la cible, ces brisures-là finissent par former des profondes cavités, surtout dans la partie centrale qui risque naturellement d'être plus affectée. Pour combler ces cavités-là, il faut un matériau qui colle bien, qui est résistant, mais qui demeure flexible. Et c'est pourquoi j'ai choisi un scellant au silicone comme celui qu'on utilise pour les chambres de bain. Je n'ai quand même pas la prétention d'affirmer que c'est le meilleur matériau de tous, mais au moins, il m'a bien servi dans mon cas, m'a permis de prolonger la durée de vie de mes cibles, et c'est ce qui m'incite à vous le proposer. La forme effilée du bec du tube permet de l'enfoncer profondément dans les cavités et puis de les obturer de scellant en ressortant progressivement le bec jusqu'à ce que le silicone déborde dans la surface. Les débordements peuvent ensuite être enlevés avec un petit grattoir et égalisés au besoin avec un linge humide. Le produit devient complètement sec après 3 jours, puis il demeure possible et facile d'en réappliquer si le besoin se fait à nouveau sentir plus tard. Comme on peut le voir, la réparation effectuée réussit efficacement à stopper la pénétration de la flèche, autant d'un côté que de l'autre de la cible. Donc, je suis confiant que la réparation artisanale que je suggère est efficace pour prolonger la vie utile d'une cible en styromousse.